Salut à tous, c'est Mato. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mission Call of Duty. Alors là, c'est la dernière d'après ce que je vois, mais je suis pas sûr, je vois encore une flèche. Donc là, on va faire le Rhin, le 7 mars 1945. Allez, go! Mars 1945. Notre mission avec la 9e DB et la 99e est de prendre le pont de Remagen. Si nous traversons, les dernières poches de résistance allemande s'effondreront. Alors, c'est la mission. Alors, désolé. J'ai mis un petit coup sur le micro parce que j'ai posé mon téléphone. Commando. Go, 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 go. Écoutons. Waouh. Je ne demande qu'à être avec Hazel quand le bébé sera là. Mais je dois convaincre Pearson de me laisser combattre. Je dois retrouver Zeus. Il ferait pareil pour moi. Si je ne survis pas, je veux que tu t'occupes d'eux, Paul. Vaut mieux pas rentrer. Personne a picolé. Merci pour l'info. Non, mais tu te fous quoi ? J'abandonnerai pas Zussman. Parle-moi, parce que j'accepte que les subalternes qui savent suivre les ordres. Vous ne suiviez pas les ordres quand vous avez refusé d'abandonner ces gars à Catherine. Tu viens de dire. Vous le savez. Tu ferais mieux de partir quand tu peux marcher. Davis m'a dit, ce n'était pas votre faute. Vous ne pensiez qu'à la survie de votre section. Dégage! Dégage! Je bougerai pas. Je t'ai dit de dégager! Nom de Dieu! J'avais pour ordre de me replier. J'avais quelque chose à prouver, j'ai dit à mes hommes qu'on arriverait à trouver mort jusqu'à l'arrivée des renforts. Ils sont jamais venus. Jamais. Alors ouais, t'as raison. Les hommes sont morts par ma faute. Va-t'en. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que tes hommes se font tous massacrer. Bernard n'aurait jamais baissé les bras comme ça. Il est mort. Alors que sa mort ne soit pas vaine. Pas de sacrifice trop grand. Tu n'as aucune idée de ce qu'est un sacrifice. Et ça, c'est quoi? Un certificat d'immobilisation signé par Davis. Mon billet retour. J'aurais pu tout avoir. Un accueil de héros. Ma femme dans mes bras. Et même une étoile de bronze. Mais il me reste une dernière mission. Alors t'es vraiment cinglé. Plus que vous pensez. D'accord, c'est bon. Sergent. J'ai dit que c'était bon, bordel. Tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Allez, maintenant, dégage de là. Pas encore. Prenons ce pont et sauvons notre camarade. Camarade. Bon, j'espère juste que ce sera pas une mission dans le noir. Parce que j'ai le contre-jour. On doit capturer le pont en premier. Bon, le voilà, le dernier pont encore debout sur la rade. Si on passe le Rhin avec votre convoi, on sera au cœur de l'Allemagne. Plus rien ne nous arrêtera. Là, c'est sûr, ce sera tout ou rien. C'est le moment de vérité. Je me fais pas regretter de t'avoir donné une seconde chance. Vous
Vous ne le regretterez pas. Allons-y. Je suis concentré les gars, hein. Désolé. Je suis concentré, j'ai pas envie de faire la folle. Bah oh, ouais, voilà, je suis concentré, je meurs quand même. Je dirais même pas ce que je pense. Et là, j'ai rien fait là, j'ai même pas le temps de jouer. Bah non, c'est pas possible ça, les gars, ils tirent une balle et tu meurs direct. Oh là 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 là. Oh, punaise, ça commence à me casser la tête là. Bah et... Je suis caché derrière un véhicule et j'arrive à mourir. Il me tire d'où là? Il doit me tirer de quelque part, c'est pas possible. Je vais suivre le tank, on sait jamais. Et je meurs quand même. Bah ouais, mais je dois aller où là? Je vais là-bas, je meurs, je vais d'un côté, je meurs. Oh là 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 là, ça serait m'énerver là, je sais pas où je dois aller. T'apparais, tu meurs direct en deux secondes. Je veux bien être gentil mais pas breton. C'est quoi cette arme en plastique là? On va essayer de les niquer comme ça, hein, on verra bien. Bah, hé, il me tire d'où, là? Je suis caché derrière le véhicule, y a personne devant moi. Ouais, ah là là, faut que je trouve où je dois aller. Faut que je bute les gens dans les tours, peut-être. Et il me tire d'où, franchement? Dites-moi, il me tire d'où? Je vais pas. Et là, je vais à peine d'apparaître, je suis déjà. J'ai pris au moins 20 balles. De derrière, c'est pas possible. Regardez. Je suis caché derrière le véhicule. Il doit bien avoir une solution. On va rester là, on sait jamais. Ça est en train de me rendre ouf là. Je sais pas où je dois aller. Là-haut. Sûrement. Là tu vas prendre le rocket. Voilà, on va buter ceux là-haut déjà. Ce sera déjà une bonne chose. Là je peux pas tirer à travers. Ouais ouais, j'avance au fur et à mesure les gars. Je fais pas le malade à mourir. Je me
cache derrière le truc là, parce que je sais qu'ils vont tous arriver de là. Parce que je sais qu'à ma droite, ils vont tous me buter. Je me cache là. Voilà, je reste bien caché. On doit bien pouvoir prendre ce truc là. Voilà, on prend la tourelle. On va essayer de les niquer comme ça. Allez, allez, allez. Reste pas devant moi, toi. Allez, on va descendre. Hop, saute. Il faut entrer dans la tour. Voilà, il fallait buter les gars de la tour, c'est tout. C'était simple. Allez, brûlez! Brûlez en enfer! On va faire attention parce que j'ai pas envie de mourir maintenant. Voilà, vous êtes morts! Munition max. Désolé encore une fois pour les travaux que vous entendez. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà, on fait le ménage, nous. Ou pas? Crève en paix, toi. Pas de pitié pour vous. Allez, on doit redescendre. Oh là là, ils nous emmerdent avec leurs travaux. Je vois pas que t'es encore vivant, toi. Crève en paix. Désolé hein, pour les travaux, c'est pas agréable, je le sais, mais j'ai pas le choix. Allez, on y va. Vous deux, désamorcez les charges sur la structure principale. Les poches se replient. Restez planqués et ouvrez l'œil. On soigne un peu. Je prends le vélo, hop. Oh, ils nous en tuent avec leurs travaux. Et là, si je tombe. Ah, je peux mourir. C'était un test. C'était un test. Je vous rassure, cela était un test. Et on recommence. On va tous mourir. Vite, ouvre la porte, on va mourir. Allez, ouvre-moi cette porte. C'est où les ingénieurs? Allez, on y va. Et boum! Vous deux, désamorcez les charges sur la structure principale. Les poches se replient. Restez planqués et ouvrez l'œil. Allez, allez, on cherche, on cherche. Prêt? Prêt? Voilà. Crois que tu me fais peur ou quoi? Donne-moi des grenades. Oh, il m'a défoncé le gars. Crois que tu me fais peur ou quoi? Tiens.
Pars pas, toi! Faut retourner en arrière! Non, on va mourir! Encore! Et en avant. Encore du boulot. Bah, le pont, il a pas sauté. Oh. En cours. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. On va prendre une note. Ouais, je les ai dit où, Abuelo? Abuelo! Voilà. Oh, il m'a tué d'où lui? Je crois que c'est l'avion qui m'a tué. Je croyais que c'est l'avion. Wow, 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 wow. Passe pas devant moi, quand je tire, toi tu vas mourir. Oh, 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 oh. Je cherche où je dois tirer, il est où lui? Où ça, sergent? La division? Aucun ennemi par ici. Faut que j'avance quelque part, moi. Là, tu se mets devant moi, il y en a pas marre. Où est-ce qu'ils sont? Allez, 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 on les bute. Je suis un malade, moi, je rentre dans le top ça. Regarde, moi, regarde ce que je vais faire, regarde. Magnifique. J'ai plus de balles. Oh, ils sont encore là. Là, tu es devant lui, c'est pas les tirer dessus. Bah, mais j'ai plus de vie, mon gars. Est-ce que je vais survivre? Ça, c'est telle est la question. Y'a pas un truc de santé ici, là. Nettoie de la tour. J'ai pas vu lui. Oh là 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 là, ça va être chaud. On recharge. Il rattaque. Ouais bah hé, écoute mon frère. Je te demande pardon. On recommence une deuxième. Pas notre truc de vie là, parce que j'ai plus de vie.
Bah ouais, c'était sûr, j'avais plus de vie. Je me suis fait allumer en montant. On recommence, on refait la même. On va garder les grenades pour après. Allez, il est pas encore mort là, tire-lui dessus. Voilà. Ouais, je dois nettoyer le reste de la tour, je le sais. Voilà, hop, on recharge. Là, on prend, il y avait un truc de santé ici, si je me trompe pas. Voilà, là. Là, on refait la même. Voilà, j'en ai eu un. Normalement, il y en a un deuxième. Voilà. On va refaire la même. Voilà, là il y a le deuxième. Il n'y en a qu'un. J'allais dire, il n'y en a pas qu'un quand même. On peut redescendre. Voilà. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ça va aller. Mais... on recharge encore une fois, comme ça j'ai toutes mes balles. Allez, on est descendu. Ouais, on le sait, ça ouvre la porte. Le tir à travers. Fou. Bon, là, on voit plus rien, les gars. Mais t'es où, là? Oh! Alors? Oh! On se calme, les gars, on se calme. Je sais pas où je dois tirer, les gars. Malheureusement, je sais pas où je dois tirer. Je veux bien tirer, mais je sais pas où. Voilà. Voilà, j'ai trouvé où je devais tirer. J'y vais, les gars. Bah, il est où? Ah ouais, mais on voit rien aussi. Je le vois pas au travers. On recommence. Je me cache derrière lui, comme ça. S'il tire, c'est sur lui et pas sur moi. Tout à l'heure, il y en avait un qui était juste là, là, il veut pas apparaître. Oh, comme par hasard, au moment que je bouge. Je le vois pas où il me tire dessus, c'est ça le problème. Ah ouais, je sais pas où il me tire. Il y a pas un petit snipe là. Ouais, je le sais, mais où? Voilà. Ah, je suis en train de mourir là. Je suis en train de prendre feu, je crois. C'est où je dois aller, moi? Par là, par là, par là.
Je vais doucement, les gars, parce que... Regardez, là, je me fais tirer d'où? Ça me fait rire, là. Je dois aller par là, mais je vois rien. Je tire au pif, hein. Ah, je vois mieux, là. Voilà, voilà, un derrière, comme par hasard. Et mon collègue est où, là, pour me défendre? Et on recommence. Reste pas devant moi. Ah, il y en a deux, là. Je vais les voir. Je vais aller voir les deux là. Là, il y en a un qui va être là, normalement. Allez, on va pouvoir avancer. Voilà. Ouais, mais suis-moi aussi. Ouais, je prends le camion de DCA. Et il faut une heure pour faire une mission. Vous allez crever. Ah, mais je suis en surchauffe là. Ils sont combien comme ça là avec leur avion? Oh là là, il y en a trop. J'arrive pas à le toucher lui. Ouais, vous me faites pas peur avec vos avions. Je le vois même pas. Il est où? Alors. À droite, ouais, à droite. Ah voilà, je suis mort. J'ai pas réussi à les avoir. On recommence. Tu sais que je suis doué. Ouais, ouais, à gauche. Vous êtes... À droite, toute. Tire direct. À droite. Joli, Daniel. Allez, tire. C'est bon. J'ai plus de balles. Deux avions sont là. Ah, ouf. Parce que je pouvais plus tirer, là. Oh, je suis pas bien caché là. Recharger. Oh, je suis en train de brûler là, il y a un truc en feu. Allez. Plus de balles. Oh, je me suis fait allumer là. Ça fait bam. Mauvais les gars. Voilà, direct, tu vois. T'apparais, t'as pas le temps de dire ouf, t'es mort.
Ah, mais y'en a qui me gênait là, à ma droite. Je sais pas me rejoindre, je vois bien, mais... comment... Voilà, tu... Allez, qu'est-ce que... Pas, je peux me lâcher. Je vais me le dire à ma mère. Bon, on va essayer de les avoir d'ici. Ça va être autre chose, hein. Je vous le dis. Bon. Ah ouais, je veux bien, mais... Mais non! Il m'énerve! Oh, il est avec moi, lui. Bah non, allez! Ça m'énerve, en plus, je vois pas grand chose. Je me fais allumer, les gars. Moi, j'ai besoin d'un pendentif, les gars. Je me fais allumer. J'aurais bien voulu avoir un petit snipe, là. J'en ai vu un, là, qui se cache. Oh, j'ai plus de balles. Comment je vais faire sans balles? Faut que j'avance, là. Vas-y, balance. Allez, des petites grenades, vite, 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 vite. J'envoie une grenade. Allez, 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 on y croit. Faudrait que j'avance, là. J'en ai vu un, je crois, non? Y'a personne. J'essaie de pas trop utiliser mes balles parce que j'en ai pas beaucoup. Non, je pensais que j'étais mort, j'étais deg. Mais non, je suis pas mort, je suis pas encore mort. Vite, 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 reprends. Ah. Ouais, vite, on se soigne, on se soigne. Je vous crève, j'en ai rien à foutre. J'ai dit tout le monde à terre. C'est fini. Ça y est. Le pont est à nous. Beaucoup plus que ça. Allez-y! On vient d'entrer dans l'histoire, les gars. Les premiers à franchir le Rhin. Qu'est-ce que tu regardes, le Fritz? On nous signale des camps de prisonniers dans le coin. Davis nous a ordonné d'attendre l'autorisation avant d'intervenir. Mais tu sais quoi faire des ordres de Davis? Bien compris, sergent. Très bien. Je suis fier qu'on ait tenu la première tête de pont sur le Rhin. Et maintenant, le convoi va atteindre le cœur de l'Allemagne.
Selon certains, la guerre est presque gagnée. Pas pour moi. Pas tant que j'aurais pas trouvé Zeus. Nous avons quitté le pont à l'est du théâtre d'opération. Et en chemin, nous sommes tombés sur des camps. J'ai vu les traces d'actes de cruauté, dépassant mon imagination. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais ce que j'ai découvert là-bas. Les survivants ont dit que les autres prisonniers de guerre, notamment Zussman, avaient été transférés dans un plus petit camp à 3 heures d'ici à l'est. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'ils soient encore en vie. Que c'est désert. Sors ton appareil. Le monde doit savoir maintenant. On les traitait encore plus mal que des animaux. D'après ce que j'ai vu, ils étaient battus, affamés, travaillant jusqu'à l'épuisement. Il avait assassiné nos amis de sang-froid, et aucun feu n'aurait pu effacer les traces de leur vie. Je crois bien qu'ils en savent. Ils massacraient les plus faibles, tous ceux qui les ralentissaient. Daniels, par ici. Daniels. La piste mène au champ. Ils ont dû les conduire là-bas. Alors c'est là qu'on va. Je me ferai pas trop d'illusions, Capral. J'ai fait une promesse à Zussman. On retrouvera, mais je peux pas promettre qu'il sera en vie. Sergent, j'ouvre la voie. Zussman ! Allez ! Prête ! Prête ! Tire-lui dessus ! Et voilà, la boucle est bouclée. Ce que j'ai fait, ce que j'aurais aimé faire, c'est vraiment comme si j'étais né pour vivre ce moment. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Tu es mort entouré de neige, parce que j'ai échoué. Et merde, j'arrive, Zussman. Tu vas pas mourir, mon pote. Pas ici, pas maintenant. Allez, on va chercher Zussman, les gars.
On va faire le fou. On va pas faire le fou. Voilà, on est au bon endroit. Et toi, je te mets une balle. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Tu m'as toujours protégé, Paul. Et je m'en rends compte maintenant. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet de tenir dans cet enfer. Et cette chose, c'est un frère d'armes à vos côtés. Lorsque l'histoire vous a appelé, vous avez répondu. Riches et pauvres, vous êtes venus pour défendre la paix et la liberté. Je vous remercie. Et le monde entier vous remercie. Et surtout, quel que soit le chemin que vous emprunterez à l'avenir, n'oubliez pas, vous serez toujours des frères d'armes. Voilà, c'est fini, les gars. Zussman aurait voulu que tu l'aies. T'en auras plus besoin que moi. T'as un gamin, maintenant. Merci, ça fait plaisir. Ah, oh, t'y arriveras. Messieurs. Amérique, ton fils prodigue est de retour. Toi, ça va aller. Je dois dire au revoir à Zussman. Sergent. Vous rentrez chez vous ? Je suis chez moi. Et toi, alors ? Tu vas empiler ? Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu le Texas. Prends soin de toi, Pecno. Ouais. Comme mon fils me demandera, je lui dirai que j'ai combattu dans la première. Avec ce salopard de Pearson. Encore, t'as rien vu. Si jamais tu passes à Chicago, je viendrai. Peut-être que je passerai à l'improviste à Longview avant. Tu seras toujours le bienvenu. Tu sais quand ils nous ont fait prisonniers, ils ont pas pris seulement notre liberté. Et même quand on était ensemble, on savait qu'on était seuls. À essayer de survivre à tout prix. Et toi, t'aurais pu rentrer au pays en héros. Pourquoi t'es revenu ? J'ai vu cette vie. J'aurais pas supporté. À la mort. Mon rêve était différent cette nuit. Cette fois, on a pu rentrer, ensemble. Je peux toujours entendre les loups, Paul. Parfois, je peux même les voir. Et tu m'as montré comment les battre. Ceci devrait te revenir. Car le sacrifice que tu as fait m'a appris qu'un héros risque tout pour sauver son frère. Et tu seras toujours les deux pour moi. Voilà, la dernière mission Call of Duty est faite. Heureusement que je fais pas la guerre, parce que toutes les fois que je suis mort, je serai mort depuis très longtemps. Bien sûr. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Et un dernier petit mot. À la vie, à la mort.